Vous ne voulez pas nous laisser un peu? J'ai quelque chose d'important à dire à votre jeune sœur. Vous vouliez me dire quelque chose? Non. Mais j'avais envie d'être un peu seule avec toi. Tu ris à chaque fois que je parle? Ouais, je sais pas. Vous êtes plutôt marrant. On me l'avait jamais dit. Puis je crois que je suis morte de peur. De peur? Tu as peur de moi? C'est étrange de me dire que je suis en train de discuter avec un dieu. C'est ça qui te fait peur? Je sais pas, par exemple, j'ai peur de dire des trucs idiots. Je me fous si tu dis des trucs idiots. Depuis que je t'ai vu danser, rien ne me semblera idiot qui sort de cette jolie bouche. J'y crois pas, vous m'ayez vu danser, je devais avoir l'air folle. T'avais l'air follement belle. Tu veux pas me tutoyer? J'y arrive pas. Pourquoi vous étiez là? Tant que possible, j'aime être près de mes fidèles. Pourquoi tu ris comme ça? Vous parlez comme... Je sais pas, c'est marrant. Tu veux pas danser pour moi encore? Il y a pas de musique. Danse, maintenant. Elle danse, balance, sur le pont rouillé d'un carreau. Elle aime le vent et tout ce qui porte un drapeau. Allez, allez, danse. Je voudrais juste prendre un moment pour vous dire qu'il a vraiment été blessé par les récentes et fausses accusations contre lui. Il a dans un premier temps ignoré ces rumeurs qui circulent à son sujet parce qu'il estimait que leur accorder du crédit serait en quelque sorte trahir ce qu'il est, son rang et son identité. Mais lorsque ces allégations ont continué à faire surface, je me suis dit qu'il fallait qu'il réagisse face à cette chasse aux sorcières. Il n'a jamais utilisé la menace, la force ou le pouvoir qui est le sien pour contraindre quelqu'un à faire quoi que ce soit. Il accorde aux gens qu'il rencontre assez de respect pour les considérer comme ayant la faculté d'exercer leur libre arbitre et de prendre des décisions en conséquence. Qu'ensuite, des gens fomentent des élucubrations haineuses et diffamatoires contre lui ne peut être sous sa responsabilité, car il s'agit purement et simplement de diffamation. Et je n'ai aucun doute sur le fait que cette affaire sera classée sans suite. Je le dis très clairement, il nous garantit de toute sa vie n'avoir jamais commis de harcèlement sexuel ni d'agression sexuelle. Ce n'est absolument pas sa conception des rapports entre hommes et femmes. Ces jeux de séduction ont eu lieu entre adultes consentants et il n'y a jamais eu aucune ambiguïté. Ces accusations d'une très grande gravité portées à son encontre l'ont indigné et il est aujourd'hui en état de choc, m'a-t-il annoncé. L'instigatrice de ce lynchage cherche son quart d'heure de gloire par la diffamation. Il m'a cependant assuré être assez confiant pour la suite et a même ajouté en souriant « Les chiennes aboient et la caravane passe. Nous avons espoir en la justice divine. » Et cette persécution prendra fin rapidement. Merci, c'est tout pour le moment. Merci du fond du cœur d'avoir répondu à cette convocation exceptionnelle du tribunal des dieux. Nous sommes tous réunis ici afin de rétablir la justice suite à de graves accusations qui ont été portées récemment. Bienvenue parmi nous, Médusa, fille de Phorcys. Vous avez le droit de garder le silence durant la procédure ou de prendre la parole lorsqu'elle vous sera accordée. Athéna, levez-vous. Je suis Athéna, déesse de la raison, de la stratégie militaire et de la sagesse, protectrice d'Athènes, conseillère des héros, patronne des artisans et de la technique. J'accuse Médusa, fille de Phorcys, d'avoir profané mon temple en ayant une relation d'ordre sexuel dans l'espace sacré de mon sanctuaire. Je veux que justice soit rendue contre elle. Je ne comprends pas. Tais-toi, salope. Quoi? Tais-toi, salope. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit petite salope, tu es une salope, une sacrée salope. Je suis une putain, une sacrée putain. Ne tu es pire qu'une putain, les putains pris. Tu es une bête sans foi. Tu n'es pas une femme, tu es sale. Oui, tu es sale. Et tu as sali mon temple avec ton sang de bestiaux. Catin de truie, avec ta sueur sale, avec tu as sali mon temple, tu l'as souillé, tu l'as gâché. Je comprends pas. C'est mon temple, c'est le mien. Je m'étais réfugiée, Athéna, dans ton temple. Je vais devoir le brûler pour le purifier, et toi, et dans ton toi temple, dedans. Il m'a violée. J'ai cru en toi, Athéna, déesse de la raison,
Et dans ton temple, il m'a violée. Dans ton temple, on viole une femme. Dans ton temple, on peut entrer et violer une femme et sortir le sourire haut. Tu n'es pas la fille d'un dieu où les dieux sont des ordures. Les dieux sont des ordures. Je crache sur les dieux. Je crache sur les filles de Dieu. Et les dieux sont des maquereaux. Tu es une maquerelle. Tu veux brûler ton temple? Et moi dedans? Moi je le brûlerai, ton temple. Et ceux de tous les dieux, je les brûlerai tous. Tous les temples et leurs prêtres dedans, je les brûlerai tous.